Pambo Bétain, bonjour. Bonjour Cosmen. Bienvenue à Singapour. Dis-moi, comment tu as trouvé l'événement qui a été organisé ici à Singapour? Il suffit de regarder mon visage. Croyez-moi, regardez, j'ai le sourire jusqu'aux lèvres. Je te félicite, Cosmen, pour l'organisation parfaite du tourisme entrepreneurial. Ça, je peux te dire que c'est un événement a réussi, c'est de grands succès, le tourisme entrepreneurial à Singapour. La place où il faut être et où il fallait être et où il faudra toujours être. Et lors de nos préparations, nous parlions de la création d'une entreprise et d'un compte bancaire offshore pour les participants. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Mais Cosmen, pour ceux qui nous regardent en direct, ben, je dis bravo, bravo, bravo. Enfin, on a les premiers Africains qui ont créé une entreprise à Singapour. J'insiste bien, les premiers Africains, par le tourisme entrepreneurial, qui ont créé la première entreprise africaine à Singapour. Donc l'entreprise a été faite, elle marche, elle est effective. Je voulais savoir, à la place des gens qui nous suivent, quelles sont les difficultés ou bien est-ce que ça a été facile pour vous de créer l'entreprise à Singapour? Il faut déjà que je mette un accent important. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Europe. Quand vous êtes en Europe ou aux États-Unis, à cause de la couleur de votre peau, quand vous créez une compagnie, on vous regarde avec un air condescendant, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, tout le monde est égalité. Nous sommes dans le pays où il y a le moins de corruption au monde. Donc on vous regarde de manière égalitaire. Et d'ailleurs même, je ne veux pas anticiper en disant à Coach Ben que notre entreprise a ses bureaux à côté de Berkshire Hathaway qui est, bien sûr, qui a été créé par Warren Buffett. Ça, j'aimerais vous le dire. Au 25e étage à Manulife Tower. Et dis-nous, selon la vision que tu as maintenant, quelles sont les opportunités que nous, Africains, avons ou bien pouvons profiter de Singapour essentiellement pour les créations, pour une entreprise créée dans ce pays qui est à la limite un paradis? Singapour est aujourd'hui, on peut plus dire, c'est la deuxième, non, c'est le Singapour est devenu le premier centre mondial du business, le premier centre mondial des affaires. Les opportunités qui s'offrent à nous sont illimitées. C'est-à-dire que aujourd'hui, Singapour a la monnaie la plus puissante dans tous les pays d'Asie. Donc, seulement par le fait que cette monnaie soit très élevée, ça permet d'avoir une ascendance sur la création des sociétés, par exemple, là en Indonésie, là, par exemple, aux Philippines, au Vietnam. On peut, avec vraiment très peu de moyens, créer des sociétés ou des compagnies dans la sous-région asiatique. Et laissez-moi vous dire, grâce à Coach Ben, on a aujourd'hui démystifié ces affaires de compte offshore ou d'entreprise offshore. C'est le cœur même. Nous sommes dans le berceau même des comptes offshore et des entreprises offshore. C'est-à-dire que nous sommes là-dedans. C'est-à-dire que nous sommes en plein là-dedans. Donc, tout ce qu'on a fait se retrouve là-dedans. Ça veut dire que pour nos frères qui veulent venir, voyez, référez-vous au tourisme entrepreneurial, la création des comptes offshore, des comptes banques, des comptes de tout type, ce n'est qu'ici. Et nous y sommes. Je vais poser une autre question beaucoup plus technique. Quelle est l'activité principale de l'entreprise que vous avez créée à Singapour? Ou bien, quelles sont les activités principales? Les activités principales s'articulent sur trois pôles importants. Le négoce du pétrole ou des hydrocarbures. Et ça, à Singapour, je voudrais déjà vous dire que vous avez toutes les plus grosses raffineries du monde se trouvent à Singapour. Donc, je veux dire, de là où je vous parle, nous sommes à proximité pratiquement de toutes les grosses entreprises pétrolières du monde. Deuxième chose, l'activité sur le négoce des minerais. Je rappelle que le continent africain est un scandale géologique, tel qu'on le dit. Et puis, sans oublier qu'on a, parmi les participants, Seydou, qui est de la Guinée.
et on avait des gens du Congo pour dire que nous sommes, en fait, c'est un choix véritablement stratégique. Alors, continue. C'était juste pour ajouter quelque chose. La manière, si vous êtes en Afrique ou si vous êtes en Europe, surtout si vous êtes en Afrique, et que vous faites des affaires avec des Asiatiques, je vous assure que en ayant une entreprise en Afrique, ils vont toujours vous piétiner. En fait, ils vont tout vous écraser. Mais venez à Singapour. Vous êtes une entreprise singapourienne, les gens vous regardent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise ici permet de facilement négocier avec des Africains parce que nous sommes, c'est pas qu'on était, nous sommes une entreprise singapourienne. Donc, on peut négocier de manière égalitaire avec des Américains, avec des Asiatiques, avec de tout ce que vous voulez. Mais j'ai dit de manière égalitaire, le fait d'être implanté ici à Singapour. Tu disais qu'il y avait un troisième point dans l'axe de la création de votre entreprise. Tu as cité le premier point, les hydrocarbures. Tu as cité le deuxième point, les minéraux. Le troisième, les instruments, si j'ai bonne mémoire. Le troisième point dont j'allais aborder et qui est en fait, comme on dit, la clé de voûte de notre entreprise, les instruments financiers. Donc, où tous ceux qui veulent obtenir facilement des instruments financiers tels que les SBLC, les lettres de crédit, les documents, tous ces instruments, les garanties bancaires, notre entreprise créée à Singapour, avec le concours du tourisme entrepreneurial, c'est ça, là, c'est la troisième activité, les instruments financiers. Donc, vous pouvez les avoir. Je donne quelque chose à un ordre d'idée. Hein. Vous voulez une SBLC, vous voulez la prendre en location avec 20 millions, vous avez des frais comme ceux-là qui permettent qu'on puisse mettre à votre disposition un instrument financier pour facilement travailler sur le pétrole ou sur d'autres commodités. Voilà, par exemple. Ok, on va finir avec cette question, peut-être une dernière question. Avant l'interview, tu m'as fait une petite confidence, disant que hier, tu as contacté une entreprise, sans donner le nom du produit, bien évidemment, parce qu'on en connaît le secret. Tu as contacté une entreprise disant que tu étais... Raconte un peu la vie, ce qui s'est passé. Alors, c'est fantastique, parce que quand je me trouvais chez moi au Gabon, j'avais l'habitude de contacter des entreprises européennes. C'est vraiment... D'ailleurs, je m'excuse avec beaucoup de mépris. Beaucoup de mépris qu'on te répond. Hein? Mais hier, comme ça, je me suis amusé à recontacter les mêmes entreprises européennes. La réponse a été immédiate. Donnez-nous votre profil, on veut travailler avec vous. La réponse a été immédiate. Quand j'ai dit, nous sommes une entreprise singapourienne et on est des acheteurs, la réponse a été immédiate. C'est-à-dire que quand j'étais en Afrique, je leur courais après. Maintenant que je suis ici, ils me courent après. Donc, vous voyez un peu l'impact que ça donne, le fait d'être une entreprise à Singapour. Ok, pour finir, vous êtes combien d'actionnaires et qu'est-ce que tu souhaites aux autres actionnaires dans l'entreprise? Il faut préciser que je me suis mis à l'écart parce que je suis venu en tant que maître vous montrer le chemin et je n'ai pas voulu créer un obstacle en étant dans l'entreprise parce que, étant présent, ma présence fera en sorte qu'il y aura toujours une ascendance. Sachant que c'est moi l'enseignant, les gens auront tendance à vouloir prendre à la lettre tout ce que je dirais. C'est pourquoi je me suis mis à l'écart. Je vous ai dit, bon voilà, je vous guide, je vous mets en contact avec les bonnes entreprises, les bonnes personnes. Et puis, si vous avez des problèmes, vous revenez vers moi. Vous êtes combien d'actionnaires? Et qu'est-ce que tu dis aux actionnaires? Quel est le message que vous portez aux actionnaires? Et quels sont les souhaits pour l'entreprise? Nous sommes 7 actionnaires. Coach Ben, tu as fait ton devoir. Tu nous as fait des offres. Voici. Et nous avons eu le libre, la liberté dans le choix. On s'est retrouvés plusieurs fois, ça a pris du temps et on a fini par trouver le bon et le juste milieu pour la création de notre entreprise ici à Singapour. Donc pour tous les actionnaires, d'ailleurs même je voulais ajouter quelque chose d'important, nous avons eu notre premier conseil d'administration sur le 24e étage à Manulife Tower, et ça s'est très bien passé. Donc, un conseil que je donne aux différents actionnaires, vous avez
je dis, vous avez, comme on dit, le Saint Graal, c'est-à-dire que c'est, vous avez de l'or dans les mains. C'est juste quelques petits tours de passe et les portes vous sont ouvertes. Merci. Merci infiniment. Je vais finir en vous disant quelque chose. Les frères et sœurs, à tous ceux qui ont fait le déplacement pour Singapour, je vous dis merci infiniment. Et sachez que nous avons entre les mains, vous avez entre les mains une opportunité. Ne baissez pas les bras, je le dis toujours, le négoce des matières premières n'est pas facile. Ce que vous venez de faire, ce n'est même pas encore le premier pas. Vous êtes encore au sous-sol et l'entreprise vous propulsera. Dites-vous que vous aurez des propositions qui viendront à travers le monde. Les gens viendront vous proposer des choses, les gens chercheront surtout à vous détruire. Certaines personnes chercheront à vous déstabiliser de l'intérieur ou bien de l'extérieur parce qu'ils comprennent qu'on vous venez de poser un pas gigantesque, un pas qui va changer l'image de notre continent. Donc, les frères, à tous ces actionnaires qui ont créé la première entreprise de négoce des matières premières, essentiellement gérée par les Africains à Singapour, dites-vous que vous avez le plus gros boulot à faire. Mettez-vous au travail, bossez. Vous savez, vous pouvez compter sur moi. Je serai toujours disponible pour répondre à toutes vos préoccupations. Et aux autres qui n'ont pas pu venir, je ne vous demande pas forcément de venir vers moi. Pensez à Singapour. Pensez, allons vers Singapour parce que nous avons notre place. Il est inadmissible que nous soyons sur un continent où c'est toujours les autres qui viennent bénéficier de nos ressources, tout simplement parce qu'ils ont accès à la bonne information. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est une opportunité. Je vous le dis, préparez-vous. Déplacez-vous volontiers, seul, venez comprendre comment ça se passe. Il faut que nous soyons de plus en plus nombreux pour avoir une très grosse masse critique afin de déséquilibrer l'ordre qui a été établi par les autres chez nous. Je vous aime, à bientôt, à l'AFIA. Rendez-vous dans une autre vidéo où je vous parlerai beaucoup plus de choses. À bientôt, merci à tous. Premier conseil d'administration à Singapour. Je voulais en voir, oui, c'est pas pour moi, c'est pour vous, bien sûr. D'administration le 27 juin 2024 à Singapour. 24 étage du bâtiment Manulife Time.